الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله S'il vous plaît, aidez-moi. Über das Bohr. Wo sind diese Ungeziefer? Man muss sich schnell wiederfinden, ja? Keinen von diesen Ratten wird uns ankommen. Ich hoffe es. Je suis allé à la synagogue. Rabbi est pas là. Les méchants soldats ont pris papa et maman dans leur gros camion. Maman m'a dit de rester cachée. Et après, tu t'es enfui? Oui. Tu es en sécurité ici. Aucun soldat ne viendra te chercher. D'accord, merci. Tu t'appelles comment, mon petit? Isaac. Vous êtes comme le rabbin ici? En quelque sorte. Mais frère, c'est bon. J'ai vérifié le quartier. Personne ne l'a suivi. Quand l'enfant est arrivé, j'ai vu dans les yeux de Kaddour une lueur, une étincelle. À cet instant, nos vies allaient changer. Les Allemands sont curieux. Ils prennent Paris quasiment sans effort et voici qu'ils arrêtent les Juifs. C'est rien à comprendre. Vous savez, j'ai lu un article dans le journal où il disait que les Juifs devaient porter une étoile. Et nous, les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On va porter la lune? Pourquoi les Juifs? Ça me rappelle la tragédie en Andalousie. À croire que les Allemands veulent faire comme les Espagnols, en chassant les Juifs là où ils sont. En tout cas, une chose est sûre, mes frères, c'est que le petit Isaac restera ici. Ah non, non. T'as pas peur que les Allemands le découvrent? Comment on va faire? Faut le confier à des Juifs comme lui, ils vont mieux s'occuper de lui. J'ai peur que d'une chose, mon frère. C'est que Dieu me juge pour pas avoir porté assistance à ceux qui en ont besoin. Tu seras brave, mon trésor. Maman reviendra vite te voir. Mais pourquoi je dois aller chez le docteur Moshe? C'est juste pour des vacances, mon amour. On doit partir avec papa. Tu nous rejoindras après, d'accord? Tu vas être sage. Pourquoi t'es triste, maman? Maman n'aime pas que son petit amour soit loin. Allez, on est déjà en retard, on met ta veste. Tu as oublié l'étoile jaune, maman. Tu m'as dit qu'il fallait toujours l'avoir sur soi pour ne pas être puni. Pas aujourd'hui, mon amour. T'en auras pas besoin, d'accord? Tu vas être avec plein d'autres enfants dans le joli temple à côté de la synagogue. Mais je l'aime bien, moi. Elle est jolie, en plus tous mes copains en ont une. Mon trésor. Tu sais, là-bas, t'auras pas besoin de la porter. Hein? Allez. On doit récupérer un maximum d'enfants. J'ai pris contact avec d'autres juifs qui n'ont pas été arrêtés. Il y a un Moshe, le médecin de la rue d'Ulm. Il a mis en place un réseau. Tu vas contacter Moshe et ramener le premier enfant ici. Ce sont des enfants, c'est notre devoir. On va faire quoi, tous ces enfants? On va pas tous les recueillir? On va les inscrire ici, en tant qu'orphelins musulmans. Et ensuite, on les enverra dans le Maghreb. Ça va. Peut-être que ça se passera bien. Je sais comment ça se passe avec eux. On n'en revient pas avec ça, fait. Les enfants, Hakim va vous apprendre des jolies chansons.
qu'il faudra apprendre par cœur. Surtout si les Allemands viennent nous voir ici, d'accord? C'est des chansons du roi David, comme au temple? Presque. Mais là, surtout, elles sont en arabe. Ce qui est important, les enfants, c'est de retenir vos prénoms de jeu. Si un Allemand vous demande votre prénom, vous donnez toujours celui en arabe. Maman dit qu'il ne faut jamais mentir. Ta maman a raison, Aaron. Mais là, tu verras. Ce prénom, il te protégera. Comme une sorte de bouclier magique, hein? Voilà. Man weiß, wer die kleinen Ratten übermerket. Gaben es Muslimische unter ihnen. Was? Muslimischen, die Juden helfen? Ja. Wer hat dir diese Information gegeben? Die französische Militia. Mit welcher Maske man fängt an? Paris. Monsieur, puis-je vous aider? Qui dirige cette mosquée? C'est moi. Que voulez-vous? C'est toi? Tu en es sûr? Oui. Attendez! C'est moi qui dirige cette mosquée. Nous allons donc avoir une petite discussion. J'ai l'office religieux à préparer et les enfants l'attendent pour la leçon. Des enfants? Allons les voir. Mohammed Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. C'est très bien les enfants. De quelle langue chantent ces enfants? C'est de l'arabe, monsieur. Est-ce qu'un petit échange? Ce sont des chansons qu'on leur apprend. Ferme-la. Ils sont tous marqués au registre. Tous. Et on leur apprend ces chansons pour... pas qu'ils oublient d'où ils viennent. Le plus important pour nous, c'est de savoir où ils vont aller. Toi, ici. Ton nom? Abou Bakar, monsieur. Tu es blonde? Tu as les yeux bleus? Je viens de Kabylie, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est une mosquée. Tirez pas, monsieur. Tirez. Si tu me mens, il va t'arriver des problèmes à ton camarade. Tu es juif? Je suis musulman, monsieur. Tu vas te changer, imam. Nous allons avoir une petite discussion. Je voudrais savoir ce qui dirige ce réseau. Serait-ce par hasard ton ami, le médecin juif? Tu sais, celui qui a son cabinet à côté de ta mosquée. Je sais pas de qui vous voulez parler. Parfait. Farid, je crois bien qu'ils vont le tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut faire partir les enfants cette nuit. Et tu te rends compte de la difficulté? Comment? J'ai contacté des résistants. Ils vont nous aider. On n'a pas le choix. Je vais vous dire un secret. Je t'écoute. Je suis juif. Je suis chrétien.
les musulmans. Où est tonton Ahmed? Vous inquiétez pas les enfants, tonton Ahmed il va bientôt revenir. J'ai deux amis à moi qui vont venir vous chercher. Vous allez partir avec eux, dans un camion, pour le Maghreb. Vous nous aimez plus? Pourquoi partir? Aaron, on vous aime comme nos propres enfants, mais c'est dangereux ici. Vous allez partir avec mes deux amis, ils sont arrivés. Vous inquiétez pas, on sera en sécurité. Vous allez prendre la route avec eux et tout va bien se passer. Je te les confie. Shalom. Shalom. Maintenant que nous t'avons ramené à ta mosquée, tu peux parler, hein? Vous m'aviez fait une promesse dans votre bureau. Laissez-moi prier une dernière fois. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Je te laisse 10 minutes. Ils sont partis pendant la nuit. Passe-moi, monsieur d'abord. Viens, mon frère. C'est la dernière fois que je voyais mon ami, mon frère Kaddour. J'ai toujours le souvenir de ses mots. À ceux qui ont été épargnés, il manque d'imaginer ce que cela peut signifier d'exister dans le corps de ceux qui subissent.